Il est 14h30. Très chaud. Hein.
Ford Mustang. Elle est 70 ans des deux chevaux aujourd'hui, si j'ai bien compris. Ça serait bien la voiture à Julien, celle-là. Je n'ai pas son numéro par cœur. Mais... Et celle-là, j'adore. C'est pas celle-là, toujours. De rivaliser avec le klaxon officiel, mais c'est un peu difficile, je peux le comprendre. Voilà, on pousse un petit peu, allez, on pousse, allez, voilà, ça monte. Voilà, et c'est parti, on va dire que c'est un semblant de départ de Tour de France, là, ce que j'ai officiel de direction générale de cette année. Voilà, pendant ce temps-là, les deux chevaux prennent place, s'installent tranquillement. J'avais un peu préparé la deux chevaux blanches et la salle. Je vais prendre la lumière pour la faire. Merci beaucoup. Le maquillage dur. Ouais. C'est parfum. Ah, ça ressemble aussi à la voiture à Julien, elle était garée là l'année dernière. Bon, vers bien. Ça serait bien celle-là.
Donc voilà. Merci donc à tous pour votre soutien. Nous avons toujours les deux chevaux avec une... C'est le défilé des 70 ans des deux chevaux. La parade. Après, ils vont faire un tour en ville. Peut-être tant que j'arrive. Elle a quel âge ? 54 ans. Combien ? 54 ans. Elle a 54 ans ? Oh vache. Elle était déjà bien, hein ? C'est avec celle-là que tu fais le mariage ? Je fais ça et après il y a le tour en France. Ouais, s'il pleut pas, c'est bien. Hein? Pour moi, il y avait déjà une roue là. Ouais, hein? Tu veux une plaque ou pas? Pour un verre. Bah, j'en ai deux. T'en veux pas une? Une plaque de ouais, comme ça? Une plaque rallye. Tu fais toujours le nom. Et tu fais toujours la restauration quand même? Ouais, ouais. Sens, hein. Ouais. Pour changer, je vais me retrouver en voiture au vélodrome, quoi. Ouais. Le tri par marque. Voilà. Ah ouais. Il y a du monde aujourd'hui. Vous y êtes ?
c'est la queue pour rentrer. Ouais, bah là je vais bientôt partir, il y a encore trois voitures et après. On rentre par Marc, donc Peugeot. Tu regarderas, il y a le cabriolet vert bon. Et après ce sera moi. Merci. De la Peugeot. Donc la mienne, elle est censée être pas du tout. Celle-ci, c'est une Peugeot. Alors vas-y, parle-nous de ta Peugeot. Alors c'est une Peugeot 403 V7 de 1966. Bon, très bien entretenue, intérieur sky, peinture métallisée bleue amiral, donc très très bien entretenue. C'est une 403 luxe, donc avec le toit ouvrant. Donc voilà. Quoi. C'est une luxe. Ok, super. Vous allez voir cette 403. La bleue magnifique, c'est important. Bravo, merci beaucoup. C'est ça qui a dit une caisse en bois? Non? Non. J'ai mal compris. C'est bien la première fois que j'arrive sur la piste en voiture. Hein. C'est vrai? Ouais. Tu es à combien là? Je suis à 60. On va un peu plus vite qu'en vélo quoi. Bien, je peux filmer pas trop au fond. Il y a du monde, dis donc, vu comme ça. Hein. Quand tu es en haut de l'anneau, tu t'imagines pas dans le monde, mais là. C'est à 70 que tu étais à peu près. Hein, ouais. Dis donc, ils ont mis, heureusement qu'il y a des amortisseurs parce que sur la selle ça doit rebuter. Hein. Tu fais combien de tours comme ça? Hein? C'est à ton goût? À mon goût, ouais. Ah ouais. Ça, c'est une Triomphe. Ah bah c'est bien. T'es une boîte 4 vitesses, là, non? Une Targa. C'est parce que je suis libre. Ah, tu la laisses, là? Bah, après, il faut certainement la mettre là. C'est Starkis, c'est celle-là la licorne, non? Non.
Non, c'est une entreprise. C'est un accessoire à tout le monde.